Bonsoir à tous et à toutes. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que, de estarmos aqui neste evento realizado. Voltando, problemas técnicos, internet. Então, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês desse evento, né? Café Francophone. Bonsoir à tout le monde. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous. Donc, Café Francophone. Bon. Je ne sais pas si c'est l'internet qui ne marche pas. Ellen, internet está. Aqui para mim está congelado. Ellen, aqui está congelado para mim. Por nous, não. Para nós, não, você pode continuar, não está. Pode falar que está boa. Bon, je vais rentrer par le portable. Minha internet tá, parece que está bloqueando. Ellen, está me ouvindo agora? Estamos sim, ouvindo e vendo perfeitamente. Bom, vai continuar. Se já mais on a un problème, je change pour le portable. Bon, bonjour, chers amis francophones et francophiles. Nous commençons. Écoutez, donnez-moi deux minutes. Je vais sortir, je vais rentrer par le portable. Bon, je pense que je vais commencer parce qu'elle a probablement des problèmes d'Internet. Et bon, bonsoir à tous et à toutes les francophiles et francophones. Je remercie Lucille d'une certaine façon d'être ici. Et c'est un grand honneur de recevoir ce soir ce professeur, chercheur de l'Université du Québec à Montréal. C'est notre deuxième émission de la série Dialogue francophone et nous allons beaucoup apprendre sur une façon particulière d'inventer et de réinventer nos rapports au monde à travers la marche, à travers le mouvement, l'exploration physique des lieux, ce qui permet une interaction intime avec un espace. La traversée. C'est le nom de notre émission et aujourd'hui, l'Atelier géopoétique du Québec, novateur et unique en Amérique du Nord. Il organise différents types d'activités dont nos invités vont nous parler. Mais avant de le présenter, je voudrais remercier l'APFEB, Association des professeurs, professeurs de français de l'État de Bahia, la Fédération brésilienne des professeurs, l'Association brésilienne des professeurs de français, et nous sommes sur la chaîne de cette fédération, et l'Association internationale d'études québécoises qui nous aide et qui fête cette année ses 25 ans. Alors, Ellen, les logos, mais Ellen, pode colocar aquele logo. Je remercie Ellen, l'étudiante de français qui nous aide de partager les logos avec nous.
c'est le plus grand réseau de québécistes au monde. Et avec cette année, ce sont les 25 ans et elle nous aide toujours dans nos émissions. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, elle se partira, je vais présenter nos deux invités, Rachel Bouvet et Jean Morissette. Je commence par Rachel. Ok. Professeur, ils sont ensemble, mais je commence par Rachel et Jean Morissette parce qu'ils sont à Montréal ensemble. C'est magnifique. Est-ce que Lucilla? Oui. Notre collègue, elle a eu des problèmes. Elle est professeure à l'Université de l'État de Bahia. Elle est professeure de français. Et elle allait dire aussi des mots, des présentations. Alors, si tu veux, Lucille, avant que je présente nos invités, tu peux profiter de cette occasion que tu es revenue et tu nous dis quelque chose. En réalité, excusez-moi, parce que en réalité, mon internet de la maison a eu des problèmes et je suis rentrée par le portable. Je suis professeure de français. Bon, je m'appelle Lucila Carneiro. Je suis professeure de français à l'UNEB d'Alagoinhas. Je suis aussi membre de l'Association des professeurs de français de l'État de Bahia. Et nous faisons un travail dynamique pour multiplier la connaissance, la littérature dans le domaine de la langue française. Dans la francophonie. Donc, on est engagé dans ce domaine-là et je remercie énormément d'être dans cet événement très important pour la langue française parmi Rachel et monsieur Jean Morisset. Voilà. Merci, Alicia. Merci. Bon, alors, je commence la présentation de nos invités, Rachel Bouvet, professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Elle mène des recherches sur l'espace, la géopoétique et l'imaginaire botanique. Elle a publié 3 essais, dont le dernier s'intitule « Vers une approche géopoétique ». Lecture de Kenneth White, Ségalen et l'Ecclésio, c'est presse de l'Université du Québec, je crois. Oui, plus que c'est du Québec. Et 2 récits. Le vent des rives et tisser les voix qui sont sortis par la maison d'édition Mémoire d'un cri. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages, dont Les nouveaux territoires, l'exploration géopoétique de l'espace, dans le cahier Figura, et elle va nous parler de Figura après, topographie romanesque, Pure, ça doit être Presse Université de Rennes avec PUC du Québec, les deux ensemble. Ville et géopoétique par l'Harmattan, un livre extraordinaire. Géopoétique des confins, dans lequel je collabore aussi, magnifique, c'est Presse de l'Université de Rennes. Elle est membre de Figura, le centre de recherche sur les textes et l'imaginaire. Elle a cofondé et dirigé pendant plusieurs années la traversée, cet atelier de géopoétique dont nous allons parler ce soir. Elle dirige actuellement le groupe de recherche sur l'imaginaire botanique, ainsi que GRIVE, le groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement, qui vient de mettre en place avec divers organismes un partenariat intitulé « Reconnecter avec le végétal ». Tout ça, c'est avec le CRSH, que je crois que c'est l'équivalent du CNPQ au Brésil, le Conseil national de recherche. Bon, alors ça c'est pour Rachel. Maintenant, je commence pour Jean Morissette, un ami du Brésil. Où est-il? Jean Morissette est poète, essayiste, professeur retraité du département de géographie de l'UQAM. J'ai lu quelque part qu'il a pris sa retraite pour se consacrer à l'écriture. Alors, donc, c'est imaginé. Co-fondateur de Portage,
Institut géopoétique du Nouveau Monde, ayant vu le jour au début des années 1990. Il poursuit depuis, dans sa poésie comme dans ses essais, une démarche géopoétique sur l'imaginaire géographique. Il a, entre autres, publié « L'homme des glaces et Amérique ». Et dans cette notice biographique, j'ai copié la page de la traversée une citation de lui. Quand il y a la biographie, tout le monde de lui, il met quelque chose qui c'est une citation faite par lui. Fils du fleuve, ayant choisi la terre-mère comme professeur et l'oralité comme guide, je suis un littéraire de formation géographique, prenant appui sur un fond d'histoire, de navigation et de philosophie. Ayant résidé quelques 3 ans dans l'Arctique et les sous-Arctiques, et un séjour cumulatif, quelques 5 ans au Brésil, Caraïbes et au Pérou, j'ai aussi vécu plus de 2 ans en Europe et passé quelques saisons en terre australe. Mais le voyage le plus marquant dont je me trouve investi est celui d'avoir, par ma naissance au début des années 1940, fréquenté les vestiges du 19e siècle. Je n'ai ni blog, ni téléphone portable, ni appareil télé, mais pratique de temps à autre les mocassins télégraphes. Courtise les poils à bois et chausse les raquettes des babiches. Sur un plan empirique, la contemplation d'un iceberg à la dérive constitue pour moi l'une des expressions les plus achevées de l'acte géopoétique créatif issu de la postmodernité millénaire. Voilà la présentation de Jean-Maurice Moisset. Ça, j'ai trouvé magnifique. Et c'était toujours magnifique parce que quand il fait toujours des choses comme ça, surprenantes. Quand une fois, je lui ai demandé de faire une lettre de présentation pour moi pour recevoir un certificat de mérite. Et il a fait quelque chose de poétique. Il disait que la glace est entrée par mes narines de bayonnaise. L'hiver, j'ai senti l'hiver. Et avec l'odeur de l'hiver, je me suis transformée. Alors là, j'ai dit, oui, c'est ça. Et cet embrassage de sable et de neige qui m'a fait aussi, qui m'a transformée en être géopoéticien. Alors, bon là, mais je ne vais pas parler toute seule. Maintenant, on va écouter nos invités. Je vais passer, bon, les deux sont ensemble. Je ne sais pas qui veut parler en premier. Mais de toute façon, la première chose qu'on veut savoir immédiatement, c'est comment fonctionne la traversée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de belles surprises. Et parce que c'est une institution novatrice inédite en Amérique du Nord. Vous avez une méthode de travail extraordinaire que vous allez nous raconter maintenant. Alors, bonsoir Jean, bonsoir Rachel. À vous la parole. Bonsoir tout le monde, et puis merci d'abord à Alicia et Lucilla de nous inviter comme ça à vous parler au Brésil, mais un peu partout. C'est vraiment un plaisir, ça me permet même de rencontrer Jean, c'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ? On pourrait raconter les débuts peut-être de la traversée, hein ? En 2004, donc ça veut dire que cette année, on va fêter les 18 ans de la traversée. Donc, on a décidé, en 2004, on a décidé, après un colloque, de fonder un atelier de géopoétique. Et puis, notre premier moment, je pense, important, ça a été un atelier qui s'est déroulé à l'Île Verte et qui était organisé par Jean et Eric Waddell. Donc, c'était un peu comme un stage de terrain que vous faisiez en géographie,
Et puis là, on a écouté Jean, on a écouté Eric, on a appris à lire le paysage à la manière des géographes. Et puis, le fleuve nous a inspirés, il faut croire. Là, on était montés jusqu'en haut du phare pour célébrer tous les autres phares dans le monde, tu vois, boire un petit punch. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, donc avec des gens qui venaient du domaine littéraire, d'autres qui venaient de la géographie. Il y avait aussi des gens de la francophonie, comme Jean-Claude, des gens qui étaient à l'université, mais pas uniquement. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre premier atelier. Et puis après, chaque année, on a décidé de faire un atelier. Donc, on a appelé ça des ateliers nomades, parce que chaque année, on changeait de place, un peu comme une tribu qui se retrouve une fois par année. Et puis, on avait toujours des activités de terrain, donc des explorations, de marches, de canaux, toutes sortes de choses. Il y a eu le train, toutes sortes de... Et puis, des activités de lecture aussi. On se prépare toujours beaucoup. On se prépare. Il y a des petites équipes qui font du repérage à l'avance et puis qui nous proposent un lieu, un thème. Donc, on travaille, mais en même temps, on a beaucoup de plaisir ensemble. Il faut dire ce qui est là. On se retrouve. Alors, on est peut-être une vingtaine à chaque fois de personnes. Et puis, depuis 18 ans, ça a changé, évidemment. Il y a des gens qui sont comme nous, qui sont restés depuis le début. Et puis d'autres qui se sont ajoutés. Ça a changé aussi. Au début, on était très liés à l'université. On avait un financement même d'organismes subventionnaires. Et puis, depuis 2017, c'est devenu un organisme à but non lucratif. Et puis maintenant, il n'y a plus vraiment d'ancrage. Il n'y a pas du tout d'ancrage à l'université. Les deux coprésidents, Roxane Lajoie et Julien Bourbeau. Roxane, elle enseigne au cégep, donc au collège, au niveau collégial. Et puis Julien, il n'est pas du tout dans le domaine de l'enseignement. Il travaille comme professionnel. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pour ma part, moi, je me suis retrouvé à la fondation avec Kenneth White, les premiers 5 ou 6 carnets de géopoétique. Quand au Québec, c'est Rachel qui m'a entraîné, qui m'a invité à parler de la géopoétique dans un contexte québécois. Et moi, j'étais curieux, non pas de parler moi-même, mais de l'entendre. D'où venait également ce désir de québécoiser la géopoétique. Et le Québec, dans le fond, il y a tellement peu de gens qui ont parcouru le Québec. Peut-être, moi, je dirais que 80% du Québec n'a jamais été parcouru par des gens, c'est le Nord. Le Nord extrême, etc. Moi, je crois que le Québec était mieux connu au 19e siècle, à l'époque du canotage et des traîneaux avec les huskies, les chiens esquimaux à l'époque. Mais tout le reste de ce Québec-là, il était où? J'ai une anecdote à propos de la géographie à l'UQAM. Je demandais à mes étudiants de me trouver le centre du Québec. Et je les aidais. Je disais, si vous voulez trouver le centre du Québec, il faut d'abord trouver le Québec. Et ça les embêtait beaucoup. Il ne faut pas vous surprendre non plus, parce que le Conseil des ministres, à peu près 9 ministres sur 10, n'ont jamais parcouru le Québec. C'est le Grand Nord, etc. C'est toute cette partie-là. Et au départ, avec Kenneth White, on avait aussi un atelier à la Martinique, avec Serge Goudin-Tévia. Et moi aussi, je produis de Martinique dans les années 60, 65, etc. Et je trouvais ça extraordinaire que le projet qu'on avait plus ou moins en tête à l'époque, c'était avant la fondation formelle, incluait
justement la Caraïbe et avec le Brésil. Pour moi, c'est fondamental qu'il y ait un Brésil quelque part qui nous brasille jusqu'à l'hiver québécois. Alors, c'était tout ça qu'on avait dans la, comment on avait dans la tête avec un projet de revue que tu leur montreras tantôt, un projet de revue tellement intéressant qu'il a échoué. c'était trop tôt. Portage, la revue des Trois Amériques avec la participation d'Haïti, du Brésil pour la géographie, du vaudou, du hockey, etc. Et tout à coup, quelques années plus tard, Rachel Marie avec un projet de géopolitique. Et c'est là que... Non, c'est pas ça, c'est toi qui m'as parlé de géopolitique. Comme quoi on réécrit l'histoire tout le temps. Hein. Oui. On réécrit l'histoire. C'est toi qui m'as parlé de géopolitique, puis après on a décidé de faire... Je t'ai parlé de géopolitique, puis ensuite oui. Tu m'as invité. Après, je t'ai invité. Moi, je me souviens de l'invitation. On a d'abord fait un colloque sur l'espace en toutes lettres. Oui. Et puis là, il y avait des géographes et des littéraires. Et puis là, je t'avais invité, effectivement, à parler de géographie, puis c'était géopolitique. Et puis après, tranquillement, on a fait ce colloque sur les nomades, oui. Les voyageurs. Voilà, ma grande surprise à l'époque, c'est que il y avait beaucoup de littéraires qui n'avaient jamais lu une carte géographique. C'était pas moi. Hein. Non, c'était pas. Une carte géographique, c'était comme un message qui ne parlait pas. Alors que nous, c'était la transformation de la parole de la Terre. Le géos qui poète et le poète qui géos, c'était tout ce jeu-là qui passait par la carte. Et elle, c'est comme elle était une littéraire marginale, elle connaissait les cartes. Ben oui, d'ailleurs, mes collègues, ils se demandaient pourquoi j'aimais autant les cartes. Quand on avait fait Et aussi, moi j'adore les cartes pour deux raisons. C'est que les vieilles cartes dont les scientifiques font des recherches, ah ça c'est faux, c'est pas vrai, c'est une erreur, on corrige ça avec le temps, etc. Moi je leur dis, mais non, il n'y a aucune erreur sur une vieille carte. Ce sont tous des poèmes qui ont eu l'autorisation d'exister. Dans le rêve, mais soi-disant sous une espèce de vérité. Alors moi, il n'y a rien que j'aime mieux qu'une erreur créatrice de rêves géopoétiques et cartographiques. La Terre, c'est la parole de la Terre, dans le fond, qu'on poursuit sans trop le savoir. Oui, et puis on a trouvé un bon nom avec Eric, là, récemment. Oui. On est parti sur l'idée de la connivence, et qu'on recherche une connivence avec la Terre, avec les autres aussi, et que c'est un peu ça qui guide, finalement, d'accord avec toi, hein. Ouais, tout ouais. À fait. Voilà. Tout à fait. Jean, je voudrais savoir, toujours dans le domaine de la géopolitique, vous pouvez nous en parler un peu plus sur la géopolitique du métissage? Vous en avez parlé dans un... La géopolitique du métissage. Vous en avez parlé dans un livre qui... j'ai un petit morceau là. Comme une rivière en déruine. C'est un poème que vous avez écrit. Vous pouvez en parler un peu plus sur ça? Comme une rivière en déruine... Déruine, c'est un vieux mot métif, comme disent des métis, qui veut dire partir à la chasse. Alors, c'est la rivière elle-même qui part au printemps avec la débâcle, etc. Et pour moi, au départ, vous avez tellement raison. Pour moi, c'est un métissage.
tout de suite géopoé. C'était ça qui nous habitait. Et j'avais un faible aussi pour la créativité analphabète. Pour les gens comme les Métis de l'Ouest, ou comme peut-être les Canudos aussi au Brésil, qui ne sachant pas lire, à ce moment-là, deviennent des créateurs à travers des langues forcément métissées. Est-ce que votre sourire renferme une autre question? Non, je trouve très intéressante l'allusion que vous avez faite à Canudos. Canudos, oui. Mais oui, parce qu'il y a un grand parallèle à faire entre les Canudos et toute la bande des Métis là, qui recouvre à peu près tout l'Ouest, tous les États-Unis. Vous savez, nous, on était aux États-Unis avant l'arrivée des États-Unis comme peuple, on l'oublie. Et on n'existe que par le métissage. C'est des femmes métisses qui nous ont sauvé la vie. J'imagine en sachant ou en sachant pas ce qu'elles faisaient, mais on était sur place. Le Wisconsin, écoutez, le Nebraska, le Iowa, la Belle Rivière, tous ces noms-là, c'est des noms métissés qui viennent de l'époque des coureurs de bois, etc. Et des gens qui sont partis souvent pour 2 ou 3 mois et ils sont revenus à peu près 20 ans plus tard pour repartir à nouveau. C'est ça la grande épopée d'Amérique du Nord qui a été ensuite coincée sous la conquête officielle et la cowboyisation de la nouvelle identité des United States. C'est rare les gens qui posent la question parce qu'il y avait ça dans le fondement de la géopolitique. Ouais. On n'arrivait peut-être pas à l'exprimer, mais il y avait ça qui nous guidait quelque part. On savait que c'était là. On savait des choses. On savait que les arbres nous parlaient. Mais comment le dire? Comment le dire? Si tu n'as jamais parlé à un caillou, comment veux-tu qu'il te réponde? Oui, et c'est très intéressant cette géopoétique du métissage dans ce cahier quand il a écrit, parce que c'était après une discussion, un atelier, parce que Rachel a parlé de ça, des ateliers nomades, le travail sur le terrain. Et j'ai eu l'occasion de faire avec eux plusieurs discussions en plusieurs saisons. Parce qu'au Canada, les saisons sont bien démarquées, c'est pas comme ici, hein, parce qu'on a la pluie ou le soleil. Alors là, c'était un hiver. Et c'était extraordinaire parce qu'on montait en raquette les montagnes glacées, pleines de... C'était magnifique pour lire. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai encore des images dans ma tête. J'ai fait après en automne, en été, et tout ça. Et comme ce qui est très intéressant aussi, c'est que les relations, dès qu'on a commencé les relations avec le Québec, avec les études québécoises, avec la création des centres d'études québécoises, nous avons toujours travaillé nous avons travaillé ensemble. Il y a toujours eu beaucoup de connivence, beaucoup de partage. Nous, avec l'Association brésilienne d'études canadiennes, la BECAN, avec l'ACFAS, c'est comme si on était vraiment une famille qui travaillait ensemble. Puis après, on a eu notre amie qui Lucila connaît très bien, Rita Godet de Rennes et Brigitte Terrien, et nous avons fait toute cette équipe. Et avec l'AIEQ, et
tout ce que j'ai, une des objectifs de l'IAQ d'ailleurs, c'est qu'on puisse partager le savoir, les expertises de ce qu'on apprend au Québec. Et moi, je dis, je vais faire des terrains, des travaux comme ça, des ateliers de terrain, avec des écoliers au secondaire. Et puis après, je vais faire comme Rachel fait, qui donne des cours de littérature et géographique. Moi, j'ai eu la chance de suivre, d'accompagner, de voir. C'était quelque chose de merveilleux. Et j'ai dit, mais je vais commencer avec des écoliers, des enfants. Et j'ai été des enfants des milieux défavorisés. On faisait ça, de connaître, de sortir, d'aller dans les rues, dans les ruelles, dans les places, dans la ville. Et puis après, ils ne savaient pas ça, ils ne savaient pas lire. Parce que ça, les jeux poétiques et l'atelier, c'est ça, lire l'espace, avoir notre relation avec le monde. Et puis après, plus loin, je vais demander à Rachel sur le concept de signature géographique qui est très intéressant. Et quand je faisais ça, j'ai été très impressionnée parce que c'était des jeunes qui venaient des milieux pauvres, qui avaient des traumas, par exemple. Ils avaient avec des parents très violents, des filles qui avaient déjà connu le viol, des enfants qui ont été battus, etc. Et qu'ils découvraient une rue, découvraient une place. Ils dessinaient et ils écrivaient des choses. Et moi, je disais, c'est ça un atelier. Peut-être que c'est l'atelier qu'on fait, un atelier itinérant, nomade, pour voir sur le terrain. Et tout d'un coup, il dessinait, par exemple, voyons qu'il dessinait un ours derrière un arbre qui était sur une place. Mais là, je disais, mais on n'a pas d'ours aussi, est-ce que vous avez trouvé ça? Et il y avait des équipes comme ça, des jeunes traumatisés qui imaginaient, parce que le travail de la géopoétique, c'est ça, de mettre notre vie, d'habiter aussi en écriture, de lire l'espace, d'écrire sur l'espace. Et ils écrivaient, ils mettaient l'intérieur sur les dessins et sur ce qu'ils écrivaient, parce que c'était la violence qu'ils avaient eue dans la maison. Et puis après, et par exemple, nous sommes c'est une ville qui est dans la forêt atlantique. Et de temps en temps, il y a un serpent qui apparaît dans un ruisseau. Il y a un crocodile qui apparaît pendant la pandémie. Les animaux sont sortis comme ça. Ils ont trouvé tout très calme qu'ils sont sortis. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'ils imaginaient tellement qu'ils allaient chercher des animaux qu'on n'a pas ici. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai toujours... c'est comme si j'utilisais la méthode que j'avais appris avec vous, avec le groupe de la traversée. Et j'étais toujours... Mais la pandémie est venue pour tout bousiller. Et là, moi, je pensais toutes les nuits quand j'allais au lit, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants qui sont confinés avec des gens violents, avec des parents violents. Tu sais, parce que tout ce travail-là de sortir, de connaître l'espace, mais faisait sortir quelque chose de violent qu'ils vivaient. Bon, je te parlais là maintenant. Lucie, là, tu veux qu'elle nous dise quelque chose? Bon, je vais revenir à Rachel. Rachel, je voudrais savoir, sur les activités de création, je voudrais que vous partagiez quelques pages de couverture de production de la traversée dans la page web. Et je voudrais que vous parliez aussi sur le retour des flâneurs. Oui. Le retour du flâneur, pardon. Je vais peut-être d'abord vous parler des publications qu'on fait suite à ces ateliers dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Et puis je vais essayer de partager quelques images. Tout à l'heure, ça a bien fonctionné. On va voir si ça marche. Oui, ça a bien fonctionné, oui. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Bon, d'accord. Je vais peut-être vous montrer, mais l'image qui avait été retenue pour le site web, c'est l'île verte. On vous a dit tout à l'heure que le premier atelier avait eu lieu à l'île verte, donc c'est un peu pour garder présent à l'esprit ce départ.
Alors, voici par exemple quelques images qui proviennent d'ateliers qui ont eu lieu sur le Saint-Laurent. Donc, la première image en haut, c'est le premier atelier à l'île verte. Donc là, on s'était interrogé sur notamment l'idée de l'île, et l'île du fleuve, évidemment. Le deuxième atelier qui a eu lieu quelques années plus tard, on est parti cette fois l'hiver, donc c'était un fleuve l'hiver, et on a découvert ce paysage de glace, ce paysage pour lequel certains n'avaient pas les mots pour le dire, et on avait invité notamment Jean Désy, qui lui connaît très bien ces mots, les bousqueuils, les termes qu'on utilise pour désigner certains éléments du paysage. Et puis, la troisième fois qu'on est retourné faire un atelier sur le Saint-Laurent, c'était il y a quelques années, et là, on avait invité un océanographe. Donc, on avait fait un tour, on avait longé les rives du Saint-Laurent, on avait traversé le Saint-Laurent, et là, c'était un peu un autre objectif, c'est-à-dire qu'on voulait comprendre comment les marées du fleuve fonctionnent, comment il est lié à l'océan. Donc, à chaque fois, c'était autour du Saint-Laurent ou sur le Saint-Laurent, mais ça a donné lieu à des explorations différentes à chaque fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un atelier, il y a un petit comité qui se forme, qui est un comité éditorial, qui comprend peut-être 3-4 personnes. Et puis, les membres de l'atelier envoient des photos, envoient des textes. Donc, ça peut prendre quelques mois avant que des textes soient écrits. Il y a un petit travail d'édition qui se fait aussi, un travail de mise en page. Évidemment, il faut faire des échos entre les... On essaye de faire des échos entre les textes, les images. Parfois, il y a du son. Et puis, tout ça forme un objet qui peut aussi donner lieu à... ici, par exemple, il y a eu des cartographies. Donc, c'est un autre exemple d'atelier. À l'intérieur de ces ateliers, le premier à gauche, c'est une cartographie de ruelles à Montréal. Donc, c'était un atelier qui portait sur les ruelles. Et pendant l'atelier nomade, on avait eu une journée, donc une matinée, je pense, où on avait fait des cartes, mais des cartes géopoétiques, pas des cartes géographiques. Et puis, l'année d'après, on était allé au Témiscouata, qui est une autre région du Québec, et on avait fait cette fois une cartographie collective, une cartographie éphémère, puisqu'on avait ramassé, tout le monde avait ramassé sur le chemin des morceaux de bois, des pétales, des cailloux, etc., etc. Puis on avait essayé de refaire la forme du lac Témiscouata, et donc ça avait donné lieu à une création. Et c'était sous la houlette de Suzanne Joss, qui est une artiste cartographe. À chaque fois, on a quand même un ou deux artistes hein, dans l'équipe qui nous inspirent aussi. Autre exemple d'activité, cette fois, c'est avec Laure Morali, qui est poète, écrivaine, qui nous avait proposé une activité sur les arbres à poèmes. Ça s'appelait les arbres à poèmes. Donc, avec Joséphine Bacon, elle avait recueilli un certain nombre de mots pour dire la forêt, comme tout à l'heure, c'était pour dire l'hiver, la glace. Là, c'était les mots de la forêt en Innuaïmoun. Donc, par exemple, ici, on a le mot « Nutshimit » qui veut dire « notre maison à l'intérieur des terres hein. ». Et puis, il y avait l'idée aussi des bâtons à message de Joséphine Bacon. Donc, on avait accroché ces mots aux branches des arbres. Chacun choisissait un ou deux mots, écrivait un petit texte, un petit poème et l'offrait à quelqu'un d'autre. Et puis, plus tard, ben là, on faisait des lectures de textes. Donc, ces mots se sont retrouvés dans les textes qui ont été publiés par la suite. Je vous montrerai tout à l'heure un ou deux carnets. Alors, voici quelques couvertures. Celle en haut, c'est des villages fermés de Gaspésie, des villages fantômes qui n'existent plus à toute fin pratique, là, qui ont... Les gens ont été obligés de partir de ces villages. Et c'est vraiment une histoire assez dramatique qu'on a occultée parce qu'il n'y a plus beaucoup de traces hein, dans l'imaginaire collectif de cette histoire des villages. Donc, ça a été un moment important
de l'atelier, de la traversée, de découvrir ces villages. En dessous, c'est la Saint-Charles, c'est la rivière qui passe dans Québec, donc qu'on a canotée cette fois. Donc, on a essayé de redécouvrir la ville à partir de l'eau, à partir de la rivière, et puis d'être sensibilisé aussi aux rivières urbaines. Saisir Venise, alors c'est juste une, pour vous montrer un peu la diversité, puis l'ampleur que ça peut prendre. Donc Saisir Venise, c'est un atelier qui a réuni moins de gens que d'habitude, parce que c'était à Venise. Et puis l'idée, c'était de varier les angles, et puis de saisir Venise autrement, voilà, autrement que d'un point de vue touristique. Le quatrième carnet Écho du lac Marie-Lefrance, c'est un carnet numérique virtuel qui portait sur la dimension sonore des lieux. Et donc, on s'est rendu à ce lac qui a été nommé en l'honneur d'une écrivaine d'origine bretonne, Marie-Lefrance, et qui a voyagé beaucoup à travers le Québec et qui allait souvent dans les Laurentides. C'est un lac des Hautes-Laurentides. Alors, c'est un travail qui a été fait avec Yannick Guéguin, qui est un artiste sonore, et c'est lui qui a composé des pistes sonores, mais aussi une balade littéraire et sonore qu'on peut faire, que tout le monde peut faire, à la fois au lac Marie-Lefranc, mais même avec l'Internet, maintenant, on peut le faire comme ça, dans son salon, si on veut. Voilà. Et puis, pour vous montrer un petit peu de quoi a l'air un carnet. Alors ça, c'est un carnet, c'est le numéro 3 qui a été fait suite à un atelier dans les ruelles de Montréal. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que la dimension artisanale est devenue importante. Pas forcément pour tous les carnets, mais disons pour certains carnets. Donc, vous voyez la première, la page couverture est un feuillet transparent avec la photo qui se trouve à Landau pour montrer que les ruelles de Montréal, surtout à cette époque-là, n'étaient pas très connues et c'était un peu égroucultées aussi. Donc voilà. Et puis vous voyez que c'est une reliure avec du carton, avec des vis qui rappellent la facture urbaine. On a aussi des photos qu'on avait distribuées à chacun à 24 poses. Ça existait encore. Et puis, chaque carnet a une photo différente. Vous voyez les coins qui sont installés comme ça, la photo. Et puis, on avait aussi demandé aux gens de ramasser des choses par terre. Artefacts. Des artefacts. Et donc, on a une petite pochette à la fin du carnet où là, on a glissé un des artefacts. Voilà. Alors, j'ai mis les adresses des sites. Donc, les carnets de navigation sont tous en ligne, sauf les deux derniers, parce que les deux derniers, il nous en reste encore beaucoup. Donc, on les vend. Et puis, donc ils sont en ligne sur le site Calameo. Et puis, le carnet numérique virtuel, les Échos du lac Marie-Lefrain, il est sous format EPUB. C'est gratuit, puis vous pouvez le procurer aux presses de l'écureuil. Voilà. Donc, je pense que ça finit mon petit partage d'écran. Et puis, je vais vous montrer peut-être une visu, là, ça va être plus simple, à quoi correspond donc ce carnet, vous voyez, un peu celui que je montrais tout à l'heure, et puis peut-être un autre avec une route vélo, parce que c'est un carnet qui était au Témiscouattin. Ouais, c'est pas facile, hein. Portage. Le portage, se rendre au portage. Donc, pour vous montrer un peu la facture artisanale. Et puis, chaque carnet est différent, il y a un format différent. Un fleuve l'hiver, vous voyez, c'est un très grand carnet, avec une couverture un peu glacée qui rappelle... qui rappelle les glaces, voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, elle avait demandé aussi sur le retour du flâneur. Ça, c'est très intéressant. Ah, oui. Alors, le retour,
les retours du flâneur, c'est un peu différent. Donc ça, c'est une activité qui a lieu un peu toute l'année. C'est-à-dire que là, on choisit, ou quelqu'un choisit un thème. Le dernier en date, c'était les vieux chemins. Alors, tous ceux qui sont inspirés par les vieux chemins envoient des textes, envoient des photos. Ça peut être aussi des pistes sonores, pourquoi pas, des vidéos. Et on les met en ligne sur un blog. Donc, à chaque fois, on crée un nouveau blog. Et à la fin, donc ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, ça dépend. À la fin de l'activité, généralement, on fait une soirée au cours de laquelle certains participants lisent des extraits, où on passe des photos aussi. Donc, ça nous permet de nous revoir ensemble. Évidemment, pendant la pandémie, ça a été un peu particulier. On a fait beaucoup, on a utilisé beaucoup Internet, évidemment, pour faire les blogs. Mais cette année, on a eu un événement samedi dernier. Donc, il y a eu un spectacle poétique dans le cadre du Mois de la Poésie à Québec. Et là, ça a été un retour du flâneur un peu différent, avec un public, avec des lecteurs et lectrices de la traversée. Et puis, c'était vraiment formidable. Ah oui, c'était formidable. Donc, juste peut-être pour préciser, s'il y en a qui sont curieux, tous ces blocs-là sont encore accessibles. Donc, il suffit d'aller sur le site de la traversée. Il y a un petit onglet Retour du flâneur, je pense, ou de flânerie. Maintenant, on dit Retour de flânerie, ça a changé un peu. Et puis, vous pouvez aller voir les textes, les lire, voir les photos. Tout est en ligne jusqu'à maintenant. Ouais. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que pendant la première année de la pandémie, quand tout a été fermé, on ne s'attendait pas à ça. Le thème du retour de flânerie a été la fenêtre. Les fenêtres. Alors, c'est très intéressant parce que tout le monde parlait de l'intérieur, de ce qu'on voyait. Mais ça a toujours changé les modèles, hein, parce qu'on a toujours eu lumière, il y a eu beaucoup la lumière, les arbres. Après les fenêtres, il y a eu la lumière et les nuages. La lumière, oui, la lumière et le nuage, oui, parce que c'était quelque chose qu'on voyait aussi des fenêtres. Non, on pouvait aller marcher dehors quand même. Mais oui, on pouvait, oui. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était d'aller... À côté de chez soi, il y a toujours de la lumière, il y a toujours des nuages. Donc, voilà. Ouais. C'est ça. Mais la fenêtre, j'avais envie de pleurer parce que c'était... Moi, j'ai écrit quand même. tout fait. Bon. Il y a encore... Bon. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, Lucille, tu as un autre? Ah oui, Jean, il y a quelque chose qui c'est très intéressant. Puis après ça, je vais demander à Rachel de parler des sciences géographiques, qui est très intéressant. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que aussi qu'on lit dans tes textes, dans tes poèmes, quand tu dis que tu es un créole de neige. C'est magnifique ça. Là. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Ouais, je pense que tu devrais t'adresser directement aux neiges. C'est elle qui savent. Bon, c'est sûr que le mot créolité réfère toujours à un certain tropique ou subtropique, etc. Mais... Il ne faut pas oublier qu'à partir de la Louisiane, les gens sont montés jusqu'en Alaska. Il ne faut pas oublier que la créolité aussi, elle joue entre des peuples autochtones de tout l'hémisphère boréal. On oublie ça. Ouais. Je ne sais pas, les saisons elles-mêmes participent à ce moment-là. Qu'est-ce que fait un créole des neiges en été? Tu
je pose une question. Toute question qui a sa réponse est une question mal posée. Et Lucia, comment que vous chegou à Geopolitica, Lucila? Comment que vous chegou? Lucila, ah, ça c'est une question. Lucila. Bon, Lucila, là, là, maintenant, tu as... Chegando. En écoutant Lucia, en vous écoutant, en lisant vos livres, la belle littérature. On observe aussi, par exemple, que justement avec le thème créole des neiges, il y a un morceau qui dit « Comment vous proposez une nouvelle géographie du continent américain qui provoque une grande fluidité des frontières entre les genres littéraires ?» Comment vous avez fait ça avec la créolité des neiges ? Je vous renvoie à la question. La créolité des neiges, mais moi, je n'ai jamais conçu ça. Je pensais, je crois que j'étais en Oregon, ou peut-être en Saskatchewan, et tout à coup, les neiges me sont apparues, avec deux belles créoles de chaque côté. De ce qui n'était pas une vision dans la réalité à tout ça. Parce que c'est que les mots, souvent, les mots, les créations sont toujours pris dans des clôturages. Et la géopoétique, François la botanique, et la géopoétique, elle déclôture notre vision, etc. Elle n'est pas assujettie à un vocabulaire préconçu. Elle nous permet de jouer, de jongler. Le mot jongler, le mot jongleur, c'est le mot chaman aussi. Et c'est ça, c'est ça que la géopoétique amène. C'est qu'elle est comme... Elle a une liberté, elle a une liberté cachée. Et quand elle se dévoile, on ne peut plus s'en retirer. Très bien, très bien. Bon, toujours dans le domaine de la géopolitique, je vais profiter et lire un texte de Rita Godet qui parle justement sur l'espace perdu derrière la carte, mémoire. Appréhension et transfiguration de l'espace américain dans l'œuvre de Jean Morisset. Cet article se propose de réfléchir sur l'enjeu mémoire dans le processus d'appréhension et de transfiguration de l'espace américain dans l'œuvre de l'écrivain géographe canadien, le créole des neiges, Jean Morisset. Il s'agira de préciser les éléments d'une autre géographie du continent américain que l'écrivain Morisset dévoile. Pour ce faire, nous allons naviguer à travers de ses récits littéraires, ses essais et ses poèmes, en tenant compte de la fluidité des frontières dans le genre, en phrase avec la pensée holistique de l'auteur, dont nous nous efforçons ici de souligner le caractère anticonformiste et original. À cet effet, nous nous appuierons sur la lecture de sa prose poétique dans la terre Hochelaga, du poème Géographie, Géographie, ainsi que de ses essais. Je voudrais que vous en parliez un peu plus sur ce morceau que Rita Godet a écrit par rapport à votre œuvre. Géographie, je l'ai écrit en fait à Belo Horizonte. C'est vraiment un produit brésilien. En même temps, Rachel parlait des confins au début. Qu'est-ce que tu as écrit avec le mot confins? Géopoétique des confins. Géopoétique des confins. C'est là-dedans que se trouve. Dans le même livre. Et ça me rappelle que l'aéroport de Minas Gerais, de Belo, s'appelle Confins. Ah, c'est vrai. Alors, on se déconfine sans le savoir. Le poème dont vous parlez a été traduit en portugais.
Je crois qu'il a paru au Brésil. Géographie, géographie. Mais ajuda, por favor. Mais ajuda. Ven aquí, géographie. Ven. Fala. Fala en su lengua. Quiero te escuchar. Etc. Et là, c'est... Et là, les mots aussi revenaient en français. C'est comme... C'est comme... Vous savez, on parle beaucoup de portage dans le monde des chasseurs autochtones. Quand on arrive à quelque chose qui est fermé, puis qu'on doit prendre le canot sur ses épaules, etc., pour traverser tout ça. Alors, c'est un portage aussi, la géopoétique. C'est dans ce sens-là aussi que ce poème avait été écrit. Mais c'est difficile pour moi de parce que c'est un poème que j'ai écrit, donc j'ai jamais eu à le lire. C'est le lecteur du poème qui pourrait parler mieux que moi. Dans le fond, c'est ça. Et sur la terre, Hochelaga, un terme un peu curieux. C'est parce que Montréal, la ville où on est, a trois noms. Hochelaga, Ville Marie, Villa Maria, et Montréal, la montagne royale. C'est tout. Mais j'ai voulu que Hochelaga soit au centre quelque part, en le divisant en deux. Au lieu de dire Hochelaga, Hochelaga, Laga, Hoche. Qui me garoche? Je remarque que vous jouez beaucoup avec les mots. Et c'est une marque intéressante dans votre œuvre. C'est un poète. Exact. Exact. Hochelaga, je sais qu'il y a une signification, Hochelaga. Je devrais le savoir parce que Hochelaga, c'est très lié à ma vie à Montréal parce que j'ai habité 2 ans dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Mais j'ai oublié, je sais que Hochelaga signifie. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Rappelle-moi ma mémoire. On dit qu'après la pandémie, on est devenu sans mémoire. Mais moi, je trouve ça très bien de respecter ses oublis. Oui, tu as oublié maintenant, mais ce soir, il va te revenir. Oui. J'ai dit, moi, j'ai habité, je sais. Oui. Je suis magasin très lié à ma vie, mais j'ai oublié. Je sais que c'est quelque chose, un mot indien, que ça veut dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bon, on va trouver après. On va le trouver. Pense à la terre aussi. Pense à la terre, oui. Oui. Hochelaga Maisonneuve, j'ai appris beaucoup de choses sur Montréal là-bas. Et même le langage, la langue, il y avait un type de langue parce que, oui, sur l'histoire de Montréal, beaucoup de l'histoire de Montréal, on va trouver là dans ce quartier. Et il y avait, à un moment donné, quand il faisait beau, j'allais chez moi, j'habitais sur rue Sainte-Catherine, près de Puy-Neuf. Et je montais beaucoup pour les stadios olympiques. Et il y avait beaucoup de maisons d'antiquaires où ils vendaient toutes sortes de choses, hein, des choses, des anciennes choses. C'était des boutiques, des trucs. On trouvait des trucs merveilleux, toutes sortes de choses. Je n'avais pas d'argent pour acheter parce que j'étais étudiante très pauvre. Et d'ailleurs, c'était un quartier des pauvres à l'époque. Maintenant, ce n'est plus. Et j'entrais dans ces boutiques-là d'antiquaires simplement pour regarder.
Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque pour photographier, mais je regardais. Et que je suis, il semble qu'il y a à peu près 5 ans, j'ai voulu montrer au Chalaga Maisonneuve à Rita et à Brigitte. On est allé là-bas et dit on va aller à pied sur toute Sainte-Catherine jusqu'au stade olympique. Et ces maisons-là n'existaient plus. Il y a le phénomène qu'on appelle gentrification. Il y avait beaucoup de condos. Et les vieux boutiques d'antiquaires, ça n'existe presque plus. On a complètement changé le quartier. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on dit. C'est une flânerie que je faisais. Une flânerie parce que je voulais chercher mes signatures mémorielles, géographiques, comme on dirait. Parce que c'est là que j'ai habité et j'avais mes habitudes, comme dit Rachel dans un texte que je lis et relis. L'habiter, ce n'est pas seulement le domicile, mais c'est aussi la marche, né? C'est aussi le parcours qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire. Et j'avais cette habitude de faire, de marcher, de m'arrêter. Et on avait gommé, effacé ma signature géographique de mon parcours de l'UQAM jusqu'à ma maison. Mais tu sais, Licia, qu'on a fait un atelier à Hochelaga, justement. Oui, j'ai le cahier avec toi-même et tout ça. Ouais. Mais quand on m'avait dit que c'était changé, je n'ai voyais pas. Mais tu vois que la signature n'a pas disparu parce que tu viens de nous la raconter. Oui, et la signature, oui, c'était ça. Je viens de la raconter. Voilà. C'est extraordinaire cette histoire des signatures géographiques parce que pendant la pandémie, j'ai pensé beaucoup à ça parce que j'ai dit comment les gens vont, vont avoir à faire maintenant pour modifier leur signature. Et quand je voyais plusieurs personnes, parce que tout le monde a une signature, parce que c'est une sorte d'habiter, non? C'est une sorte de sillonner le territoire, de voir, de trouver, d'écrire quelque chose, un poème, un dessin, comme tu as dit. Je me disais, comment les gens vont effacer leur signature géographique? Et plusieurs personnes disaient, la seule chose que j'ai fait, je me pomponne toute pour aller descendre ma poubelle parce que je ne vais nulle part. L'autre disait, moi, je sors, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est de faire promener les chiens le soir. Alors, je disais, tout le monde a effacé les signatures géographiques. Alors, donc, la pandémie, je dis, la pandémie a fait quelque chose comme c'est à détruire, mais à déconstruire l'univers géographique ou même géopoétique de tout le monde. Tout le monde a dû changer les rapports avec le monde, avec les quartiers, avec ses rues, avec la maison, avec tout ça. En fait, c'est peut-être un peu le contraire parfois qui s'est passé. Pendant la pandémie, on a fait une rencontre virtuelle où plusieurs personnes racontaient justement leur parcours quotidien. Ouais. Et puis, il y en a qui étaient en campagne, d'autres en ville. C'était vraiment des lieux très, très différents. Et chacun s'était nourri, en fait, de ce parcours quotidien pour réussir à mieux habiter en fait l'espace. Donc c'est sûr que c'était contraignant pour tout le monde, mais en même temps on a toujours des ressources, je pense aussi quand on essaye d'habiter les lieux de manière intense et de manière sensible et avec une dimension géographique, on est toujours quelque part, on est toujours dans des lieux qui sont chargés d'histoire, qui sont chargés de végétal, même si on ne le voit pas d'habitude, qui sont cosmiques aussi. Il y a toujours les saisons, la lune. Donc, on est toujours en lien avec tous ces éléments, sauf que parfois on oublie, oui, mais
ça prend peut-être un petit effort, et puis c'est là que la géopoétique nous amène, comme disait tout à l'heure Jean, à déclôturer, c'est ça que tu disais, déclôturer, oui, c'est ça. Aller de l'autre côté de la clôture, peut-être aussi. Donc, c'est aussi inventer ou réinventer peut-être notre rapport au monde, là, qui est toujours, je pense, en jeu. Voilà. Et puis, les Marcel, oui, pardon. Excusez-moi. Vous pouvez nous parler comment ça s'est passé l'expérience de cet atelier à Hochelaga? Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler parce que c'est un des ateliers que je n'ai pas beaucoup fait, malheureusement. J'étais occupée. C'était un groupe de recherche où il y avait beaucoup d'étudiants. Puis à cette époque-là, je n'étais pas en très bonne santé. Donc, ça arrive. Hein. Donc, celui-là, je n'ai pas beaucoup participé. Toi non plus, d'ailleurs. Non, j'étais présent dans une autre absence. Moi non plus, je n'étais pas là. J'ai vu après le cahier. J'ai reçu le cahier. C'est notre atelier, mais c'est là. Mais moi, j'avais dit où on s'est rencontrés, Lucia et moi, pour la première fois. Je crois que c'était Radio Centre-Ville. Ah, Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. J'étais venu du Brésil avec la bandera. Je me demandais où est-ce qu'on s'était rencontré. Parce que moi, je t'ai rencontré immédiatement quand je suis arrivée à Montréal, mais je me demandais où. Ah oui, parce que j'ai eu à Radio Centre-Ville pendant un an une série d'émissions qui s'appelait Brésil, pays de braise. Oui. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent que le Brésil m'a. Le Brésil n'est pas rouge. Mon drapeau n'est pas rouge. Je dis, bon, le bois Brésil. Le bois Brésil, que c'est un nom qui venait de flibustiers français qui cherchaient le bois Brésil pour les robes à Paris, n'est-ce pas? Comment on dit Brésil en portugais du Portugal? Ah, c'est Brésil. Je crois que c'est Brésil. C'est le Brésil. Brésil, c'est Brésil, la différence est énorme. Brésil. Parce que au Brésil, les ailes qui sont dans la position finale, on fait you, Brésil. Mais en Portugal, ça, il faut prononcer le L, Brésil, comme en français, Brésil. Et à Radio Centre-Ville, c'était ça. Radio Centre-Ville était un endroit où j'ai eu... c'était un endroit, je veux dire, géopoétique, où j'ai eu connaissance, j'ai fait connaissance de plusieurs communautés. Moi, là, j'ai appris à aimer la musique grecque. J'ai appris à aimer la musique de tous les pays. À l'époque, il y avait des étagères comme ça, avec des disques en vinyle. Ça n'existait pas des choses comme aujourd'hui, des YouTube et toutes sortes de choses. Alors, et j'empruntais les disques des Portugais, parce que les Portugais avaient tous les disques brésiliens dont j'avais besoin. Et parce que... c'est pas tout le monde qui aime le fado, la musique portugaise, parfois elle est très triste. Et la musique brésilienne est plus joyeuse. Alors, il préférait avoir une collection de disques brésiliens que de disques portugais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés parce que j'ai eu tous mes professeurs j'invitais mes collègues et mes professeurs. Même Michel Vanskandel n'a jamais été au Brésil, je l'ai invité, il est allé là. Mais il connaissait très bien la poésie brésilienne. Alors il est arrivé là avec sa voix, sa belle voix qu'il avait, il a récité. Et toute la radio est arrêtée ce jour-là parce que il avait une voix vraiment radiophonique, une voix qui enchantait les gens. Tout le monde est arrêté, tout ce qu'on faisait pour l'écouter. Alors,
il récitait. Hein? Tu te souviens, Jean, des jeux de Michel? Qui ne se souvient pas? Oui. Ouais. Sa voix. Oui. Oui, oui. Michel Vanskende. Oui. Plusieurs personnes, c'est dommage, plusieurs personnes ont disparu, mais c'est comme ça. Bon, alors, Lucille, tu as encore une autre question? Oui? Ben, je voudrais savoir, Jean, j'ai vu que vous avez voyagé dans les quatre coins du monde et que, je ne sais pas si c'est par hasard, vous êtes allé à Ferrat Santana, à l'OEFS. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez, mais on dit que Ferrat Santana, c'est la princesse du sertão. Alors, la princesse du sertão. Non, la princesse du sertão. Oui. Je voudrais savoir. Quelle a été l'importance de est-ce que Ferrat Santana vous a inspiré dans le domaine de la géopolitique? Ou non? En fait, c'est plutôt géopoétique. Géopoétique, pardon. Excusez-moi. Moi, je connais seulement Chico da Silva, qui c'est elle qui pouvait pas se marier parce qu'elle était métisse justement et qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans l'église. Et pour se marier, elle a fait construire une autre église juste en face de l'église des vrais chrétiens. Et le mariage s'est célébré là. Est-ce que c'est Chico da Silva? Je ne sais pas. C'est qui? C'est le mariage de qui? Je n'ai pas compris. Chico da Silva. Chico da Silva. Chico da Silva. Ah, Chico da Silva. Ok. Parce que il faut que je te dise que Lucila est originaire de Feira de Santana, n'est-ce pas, Lucila? Oui, oui, je suis née à Feira de Santana. Oui. Alors, je suis née à Feira de Santana, j'habite à Salvador et je travaille à Lagoinhas. Parce que c'est quelque chose de très intéressant quand elle a dit la princesse du sertão. C'est parce qu'on a ici, alors voilà, ça s'intéresse beaucoup à la géopolitique parce que nous avons deux mondes, du monde que se côtoie. Salvador et le Recôncavo, ce qu'on appelle la baie de tous les saints, avec tout, non? Tu connais le mot Recôncavo, on a déjà vu ça. Avec l'île et tout ça, qui porte la culture afro-brésilienne. Beaucoup ont, même il y a la gastronomie, on mange beaucoup de mets d'origine afro, avec l'huile de palme rouge, le poisson, les fruits de mer, et c'est ouvert, les palmiers, les plages. Et puis après, on sort d'ici à 2 heures, on est dans un autre monde. On est dans le sertão. On commence à voir des cactus, il n'y a plus de poissons, c'est la viande séchée, ce qu'on appelle ici, la viande soleil, on appelle la viande soleil. C'est un autre monde, le monde du sertão, qu'on va entrer avec ces histoires des bouviers, des bétails et tout ça. Et c'est très intéressant. Et j'ai dit, bon, ce sont deux mondes où ce qu'on a, quand on étudie, par exemple, Rachel, la question des sémiosphères, on voit que ce sont deux sémiosphères différentes qui sont l'une à côté de l'autre et qui parfois elles s'entrecroisent et parfois non, je ne sais pas. Mais quand on dit princesse du sertão, on a déjà demandé qui est la reine. Parce que pour être une princesse, il faut une reine. Et qui est la reine du sertão? On ne sait pas. Ce serait bien, en terminant, de saluer, je crois, la géopoéticienne la plus panaméricaine que je connaisse. La Sternarctique. Chaque année, elle part de Patagonie pour se rendre jusqu'à la Terre de l'Esmer. Elle traverse le continent en entier,
sans avoir besoin d'un petit ruban de l'État pour reconnaissance à ses exploits. Et pour moi, c'est une figure, c'est vraiment une figure de la géopoétique qui, au Québec, nous passe au-dessus de la tête avec toutes les migrations. Et je n'aimerais pas terminer en disant quelque chose qui ne soit que vrai. Dans la migration qui nous entoure, les peuples semi-nordiques, c'est comme si les oiseaux, les oies blanches, qui parcourent tout le continent, sont quelque part nos grands poètes qui traversent un continent entier sous leur migration. Et pour moi, ça incarne la géopolitique. Les baleines aussi. Hein? Les baleines aussi. Elle dit les baleines aussi. Oui, toutes les baleines volantes. Et tout le monde océanique aussi. Là, je parle dans une perspective sud-nord plutôt qu'est-ouest, parce qu'on nous a pas, on nous a enlevé le plaisir de connaître nos pays dans des dimensions de longitude. Ce qui est reproduit habituellement, c'est toujours vers l'Europe, un peu vers l'Afrique, etc. Quand on prend une carte des Amériques et qu'on met le nord à l'est et le sud à l'ouest et le bout du nez sous les tropiques avec la baleine, on a vraiment une vision complètement nouvelle de la géographie et des fondements géopoétiques qui sont là devant nous et qu'on n'arrive pas à voir sans justement changer complètement les lois de la géométrie, etc. C'est le son peut le vivre ici, à tous les prêtres. Je dis très bon. Je demande à notre public s'ils ont des questions. S'ils ont des questions spécifiques, alors j'attends la réponse. Mais c'est très intéressant. C'est drôle, Pierre, parce que dans deux photos que Rachel nous a montrées tout à l'heure, ça m'a fait penser, une, au lac Chambon, qui est en Auvergne, en France. Oui. Il a manqué seulement la chaise qui n'était pas dans le lac, mais dans une question visuelle, ça m'a fait rappeler au lac Chambon. Et l'autre, ça m'a rappelé un peu quand on sort de l'aéroport de Salvador, quand on arrive à Salvador, nous avons une espèce de bois qui est faite avec le bambou. Et la photo qu'elle nous a montrée, ça m'a rappelé le bambou, justement. Oui, c'est comme si c'était la même photo. Exactement. C'est intéressant comme la géopoétique nous fait, ça nous rappelle avec ces images, quoi. C'est très fort. Ça reste. Je ne me souviens pas, j'ai montré du bambou. Oui. Quand vous sortez de l'aéroport de Salvador, il y a justement une espèce de bois qui est faite avec le bambou. Ils se croisent en fait. Mm-hmm. Et ça m'a rappelé la photo là. Oui, c'était le tunnel qui était tout délabré, mais maintenant ils ont comme recommencé à corriger tout ce le bambou qui était comme ça. Un très beau tunnel. Si vous, je ne sais pas, tous les deux sont déjà venus à Salvador. Je ne sais pas si vous rappelez du tunnel de bambou à l'entrée de la ville. Mm-hmm. Ouais. Bah, moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur le végétal, là, comme disait... Le végétal, exactement, oui. Et puis, c'est ça, c'est
on n'a pas l'habitude de regarder de près non plus ou d'être attentif aux plantes, aux arbres et tout ça. Donc, c'est aussi une autre façon. C'est moins la géographie que la biologie, peut-être. Mais en même temps, les plantes sont situées. Il y a une géographie des plantes. C'est Humboldt qui disait ça. Donc, c'est aussi tout un univers. Le bambou, il a voyagé beaucoup. Donc, là aussi, on peut s'intéresser à des parcours végétaux. Il y a même des migrations aussi avec les plantes. Oh, ouais. Il n'y a pas que les sternes arctiques. Il y a aussi, il y a toutes les graines qui voyagent à travers le monde. Il y a aussi, on peut se laisser inspirer par les plantes et les fleurs. Il faut revenir ici pour faire l'étude des végétaux. Bah, au Brésil, là, c'est... Végétaux bayonnais. Oh, et des végétaux. C'est fini, là, le Brésil, pour tout ce qui est végétal, là, je pense que c'est... Végétal, oui. Ouais, c'est le paradis, là, c'est sûr. C'est le paradis, oui, c'est ça. Et comme j'ai dit, nous sommes ici, exactement, c'est une ville qui est faite dans la forêt atlantique, qui a été beaucoup déboisée pour... non seulement pour les bidonvilles, mais aussi pour les condos, etc. Et de temps en temps, dans une partie de la ville, il y a beaucoup de ruisseaux. Il y a là une visite qui apparaît comme un gros serpent. Il faut appeler les pompiers pour venir chercher. Parce que c'est ça, c'est une forêt. On a déboisé une forêt. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir visiter. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Il y a des questions? Oui. Il y a des questions, Lucia? Pas de questions? Il n'y a personne qui a. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai demandé ici. Il n'y a pas de questions. Je crois que tout le monde a aimé et que je vois seulement des éloges. C'est très intéressant, c'est super, c'est très beau, c'est magnifique. Mais je crois qu'il n'y a pas de questions. Tout le monde a tout compris. C'est super! Alors, si vous voulez. C'est la grande réussite, moi, c'est ça. Ah oui, alors, donc pour nous, c'est déjà 8h30. Je crois que pour vous, c'est 7h30. Ouais. Comme ici, quand l'hiver commence à venir, il fait nuit. Elle a dit que Kelly a envoyé quoi? Une image? Ellen, qu'est-ce que Kelly a envoyé? Est-ce que tu peux nous partager? Je ne sais pas. Elle m'envoie ici une... Ellen? Elle va... Ah, si, ok. Elle va... Ah. Compartilhe, por favor. Ele vai partager l'image que Kelly a envoyé. Kelly é aussi notre collègue à l'ONEB. Il fait partie de l'Association des professeurs de français aussi. Ah oui, c'est magnifique, les tunnels de bambou. Ah, c'est ça. Mmh. Mais on voit pas très bien. Ah, bon, ah, okay. Ah oui, d'accord. En Australie, avec des bambous violets. Oui. Je crois, je ne suis plus sûre de rien parce que trop d'informations dans nos têtes. Mais il semble que ça a été construit par un États-Unien au début du XXe siècle. Si je me trompe, pardonnez-moi s'il y a quelqu'un qui sait l'histoire, mais je crois que c'est ça.
Et c'est la carte postale. C'est la première signature postale. Parce que nous avons fait aussi la première signature postale de Salvador, c'est ça. Et dans la page de la traversée, il y a aussi la rubrique carte postale, n'est-ce pas, Rachel? Parce que j'ai déjà écrit un texte sur les dunes du Maranhão. Qui est un état au nord d'ici, où il y a des dunes, hein, les lençols maranhenses, les draps du Maranhão. Qu'on appelle les draps du Maranhão, c'est des dunes immenses avec des lagunes de toutes couleurs de bleu. C'est extraordinaire. Je fais dans la carte postale, dans la rubrique carte postale de la traversée, j'ai écrit quelque chose là-dessus. Oui, on voulait d'une part garder cette pratique de la carte postale parce que maintenant ça se fait plus beaucoup là. Autrefois, on s'envoyait des cartes postales quand on partait en voyage, mais maintenant. Oui, il n'y en a plus. Qui fait ça. Et puis, ça permettait. Parce que tous les gens de la traversée sont en général des voyageurs, hein, des grands voyageurs. Et puis, ça permettait de faire découvrir un endroit. Puis, de partager un moment particulier, un moment géopoétique, comme on les a appelés aussi. Et puis, à une certaine époque, on avait aussi des retours du voyageur. Ça, c'était avant les retours du flâneur. On a commencé avec les retours du voyageur. Oui, oui. Et puis ça, c'était une soirée où la personne qui revenait de voyage à la fois nous raconter bien sûr un peu son voyage, parce qu'on sait que le voyage, il appelle le récit toujours, hein, on revient puis on a envie de raconter, mais en même temps on voulait en profiter pour réfléchir sur certains aspects du pays qu'on a visité, ou aussi avoir une approche plus géopoétique du pays en question. C'est arrivé, je sais que Jean nous a beaucoup présenté ses voyages dans le nord, au Canada, dans différents endroits du Canada. Pas le Brésil, mais le Pérou. Qu'est-ce qu'on avait fait ? L'Australie, non ? L'Australie, ouais. En tout cas, il y a eu plusieurs. Eric aussi en Océanie. Enfin, il y a eu vraiment des lieux un peu partout. Et puis, ça permettait aussi parfois de partager des textes, de l'écriture qui avait été faite sur place, des projets. Donc ça, c'était, on va dire, les 10 premières années surtout. Hein. Et puis là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de retour de voyageurs. Je ne sais pas si la nouvelle équipe va reprendre ça ou pas. Mais bon, on verra peut-être. Alors, oui, cette image-là, je viens de. Il faut que j'écrive. Je vais écrire quelque chose sur la carte postale. On appelle ça le bambouzao. Bambouzao de l'aéroport. Parce que moi en voyant tout ça, moi, je dis c'est pour moi une signature géographique. Voilà. C'est parce que ça. Quand je vais partir. Bon, quand je vois les bambous et que la voiture prend le tunnel, il y a beaucoup d'émotions, tu sais. Je pars, je quitte. C'est la saudade de mes habitudes de la ville. En même temps, c'est la joie d'aller ailleurs. Et quand je reviens, c'est aussi beaucoup d'émotions parce que je dis, ouais, je suis de retour, je vois, c'est autrefois, maintenant, il n'y en a plus parce que maintenant, on a fait des travaux de rénovation dans l'aéroport. Alors, c'est un nouveau aéroport tout sophistiqué. Mais autrefois, avant ces travaux de rénovation, il y avait une femme qui vendait des beignets, des acarajés, hein, les beignets dans l'huile de palme rouge à la porte. À l'entrée de l'aéroport. Alors, ça allait, deux choses qui allaient ensemble. Les bambous avec l'odeur
d'acarajé. Maintenant, nous n'avons plus l'odeur parce que c'est tout. C'est un nouveau aéroport très sophistiqué, ce sont des vendeurs comme ça. Mais il y a l'image visuelle de Bambouzao qui suscite dans moi plusieurs émotions. De départ ou d'arrivée. Très bien. Bon, Lesia, on va bientôt finir. Oui. Bah, on voudrait remercier énormément pour cette nuit très agréable et beaucoup de découvertes. Ça va nous suggérer à voyager dans la géopolitique, dans la géopoétique, de nouveau. Vous voyez, Rachel? Et c'est parce que je pense que bientôt au Brésil, on va décider les élections. Donc, je pense que le mot politique est très fort dans ma mémoire. Mais la géopolitique, elle fait toujours partie de ma vie. Donc, on remercie énormément Madame Rachel Beauvais, Monsieur Jean Morisset, Madame Licia. Et on ne peut pas oublier non plus de remercier aussi l'Association internationale des études québécoises, l'UNEB, l'Université de l'État de Bahia, l'APFEBA, l'Association des professeurs de français de Bahia, et aussi l'Association des professeurs de français du Brésil, qui nous a donné l'opportunité de réaliser cet événement qui nous a été très important, non seulement pour la langue française, mais aussi dans le domaine de la francophonie. Voilà. Voilà. Alors, Lucille a déjà dit tout ce que j'aurais pu dire, alors je n'ai pas besoin de répéter. Oui, on remercie tout le monde. On remercie aussi à Ellen, qui représente la Fédération des professeurs du français et qui nous a beaucoup aidé. Et ce que je voudrais vous dire, c'est d'aller chercher. Maintenant, on avait dit qu'on a en français, en anglais, dans toutes les langues, Google, Facebook, des trucs comme ça. En portugais, on n'a pas encore Google, ou je ne sais pas. Mais on va googler chez la page de la traversée. On va voir tous les textes extraordinaires qu'il y a là. Et pour les professeurs de français, langue étrangère, vous avez beaucoup d'outils pour travailler la littérature et la géographie. Moi, par exemple, j'ai déjà publié un livre sur le tourisme à Salvador, qui c'était en France, les Français pour le tourisme à Salvador, quelque chose comme ça. Ce sont des circuits, des tours touristiques en français à l'époque où il y avait beaucoup de bateaux français qui arrivaient ici. Et les gens voulaient parler un peu de français parce que les Français n'aimaient pas l'anglais. Les Français, à l'époque, maintenant ça a beaucoup changé, mais à l'époque, dans l'an 2000, comme ça, les Français n'aimaient pas être servis en anglais. Les Français n'ont jamais aimé l'anglais. Maintenant, ça a beaucoup changé. Alors, nous avons fait ce livre pour ça, et c'est un peu un livre géopoétique, parce que ça parle des choses de Bahia en français, pour les Français. Et alors, vous pouvez travailler beaucoup les professeurs de français sur la littérature et la géographie. Et comme dit Rachel dans un de ses textes, c'est géographe. Les graphes, ce sont des images qui se relient et qui forment des réseaux, des parcours qu'on peut arpenter des territoires avec les graphes qu'on a dans la géographie à travers la littérature et trouver une autre façon d'habiter le monde. Pas seulement du domicile, mais de tout ce qui nous entoure. Les végétaux et les éléments culturels aussi, les animaux et tout ça. Bon, alors, merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup, Jean. Ils ne veulent pas dire un dernier mot?
Merci, merci à vous deux d'avoir organisé l'événement. C'était vraiment très agréable de discuter avec vous. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Jean. Ouais. Ça nous a fait nous rencontrer après 2 ans. Ça, c'est magnifique. En passant par vous tous, mais la géopolitique qui nous relie à travers, je parle le français des Amériques et le portugais des Amériques, c'est cet ensemble-là, finalement, qui nous traverse sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est nouveau pour nous. C'est nouveau, c'était pas prévu. Les atomes ne voyageaient pas dans ces eaux-là. Et il y a quelque chose à travers cette rencontre-là qui nous dépasse et qui nous incarne. Et c'est ce qu'on vient de vivre. Merci. Une longue vie à la traversée. Merci. Au revoir. Au revoir, Hélène. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Au revoir. Ciao. Ciao.